T'as pas, y a personne qui fait le clap. Non. Bon, alors je fais le clap. Devant ton visage. Faut que je dise un truc en même temps ou tu t'en fous? Je m'en fous. Alors les éléphants d'abord c'est un film. Les éléphants c'est un film où il y a 7 personnages. Qui sont à un moment charnière de leur vie. Les éléphants, c'est pas trop... C'est pas ça du tout. C'est un peu comme un saut en parachute sans parachute en fait. Non, c'est pas ça. Tout commence par un enterrement et tout finit presque par une naissance. J'en dis déjà trop. C'est plutôt ça. Je sais pas pourquoi ça s'appelle les éléphants. La vraie raison ? Les personnages ont de grandes oreilles. Contrairement à ce que son nom indique, il n'y a pas d'éléphants. Plein. Des petits, des gros, des moyens. Un film où il n'y a que des éléphants. C'est surtout des gens qui cherchent. C'est pour ça que c'est vraiment des gens qui cheminent et c'est pour ça que ça s'appelle les éléphants. D'accord, c'est pour ça que ça s'appelle les éléphants. Oui. Ok. Dans les éléphants, on trouve plein de choses. On trouve... Des mecs. Un mec qui regarde passer les avions. Des nanas. Il y a des sœurs qui s'aiment pas, des sœurs qui s'aiment. Un enfant. Qui est adorable. Une grand-mère. Qui est aussi aimable qu'une porte de prison. Une grand-mère ? J'essaie de me remémorer le film. Il y a une femme enceinte. Elle est vraiment enceinte, c'est son vrai ventre. Qui a un vrai bébé à l'intérieur, qui bouge. J'ai touché. Un couple qui mange des sushis. A même la peau. Un couple qui fait l'amour. Une scène de sexe, carrément. Il y a un peu de cul, quand même. C'est plein de petites choses, en fait, les éléphants. Des vraies colères, des vrais départs. Beaucoup de regards. Des règlements de compte. Des moments de tension, de conflits, comme il y en a dans toutes les familles. Des gens qui s'aiment, ils sont tristes, qui se détestent. Ils se perdent entre eux. Des gens qui doutent. Ils se perdent eux-mêmes. Qui sont sincères. Et puis, parfois, qui se retrouvent. Il y a du temps qui passe et on laisse le temps au temps d'exister. La vie, quoi. Le film, aujourd'hui, il existe, il est terminé. Et il a été projeté, notamment, au festival de Palm Springs. Et puis, ce serait dommage que personne n'en profite. Pour le sortir, c'est un autre boulot. On cherche de l'argent pour... Faire toute la communication. Pour payer un attaché de presse. Pour les affiches. Les copies du film, etc., etc. Donc, effectivement, là-dessus, on a besoin d'un coup de main, on a besoin de vous. Car un film... fait est un film qui doit être vu, sinon il n'existe pas. D'avance, on vous dit merci. Et puis que les gens soient au courant un maximum, en fait. Voilà.